Good morning. Allez, idem les tutos aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hanan Rachel Shlomo ben Esther Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfuat Sarah bat Beiti Rivka betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sainte Communauté Éternelle. Nous étudions Maserhat Menachot Perektet Mishnah Dalet. Me'arvin Niske Elim Beniskei Parim Niske Kvasim Beniskei Kvasim Shel Yachid Beshel Tzibur Shel Yom Beshel Emesh Avalen me'arvin niske kvasim beniskei parim ve'elim. Ve'im belalan, elu bifne atzman ve'elu bifne atzman. Ve'nit arvu kshirin. Imad shelo balal pasul. Akeves abayma omer, af al pi sheminchato kfula, lo ayu nesachav kfulin. Il y a un problème dans cette Mishnah, entre ce qu'on va lire et ce qu'on va expliquer et ce qu'elle exprime réellement. C'est pour ça qu'il y a un très bon Tosfot Yom Tov. On va faire un petit peu d'ordre, Bezrat Hashem. Ça veut dire que dans un premier temps, on va expliquer la Mishnah d'abord au sens simple, et puis après on va expliquer ce que la Gemara en réalité elle nous pousse à dire dans la Mishnah, d'accord ? Mais Arvin Niske Elim Beniskei Parim. On va parler dans notre Mishnah des Nesachim que l'on apporte, lorsqu'on apporte un des Elim, Gvasim, Veparim. C'est-à-dire, la Torah, on a déjà dit, on le lit dans la lecture de Rosh Chodesh, on va la lire tout après pour apporter quelques précisions. Lorsque l'on apporte un korban, une ola par exemple, que ce soit un public ou un individuel, alors la Torah nous impose d'importer des oblations avec, en plus de ça, t'apportes la viande, et bien apporte aussi du vin à boire et apporte aussi du pain à manger. C'est un peu le principe. Donc tu apportes un korban, apporte une oblation de vin et une oblation de farine mélangée à l'huile. La Torah nous a donné des mesures exactes lorsque tu apportes un taureau, ou si tu apportes un bélier, ou si tu apportes un mouton. Comme on le lit à Rosh Chodesh, je vais vers mon sidour de Rosh Chodesh, à l'endroit, à la paracha qu'on lit donc à Rosh Chodesh, la Torah nous dit, Brachot Chechem, quel combat tu faudras que tu fasses avec les taureaux, avec les élim, avec les kvasim, le seir khatat. Et la Torah, elle me dit ensuite, Veniskehem chatsi ha'in, je ne le trouve pas. Ah, Beshlosha esronim solet mincha belula bashemen la para echad, Oshne esronim solet mincha belula bashemen la ila echad, Beshlosha esronim solet mincha belula bashemen la kevasa echad. La Torah, elle me dit, lorsque tu vas les apporter, si tu vas apporter un par, je t'apporte, je te demande d'apporter deux parim, pour chacun des pars, des taureaux, tu devras apporter. Pour le moment, on se rapporte sur celui-là, 3 isarones, une oblation avec 3 isarones, une quantité de 3 isarones, multiplié ça par 1 kg, 666, d'accord? Ça, c'est l'oblation à apporter lorsque tu apportes un par. Et lorsque tu apportes un aïl, un bélier adulte, alors tu devras apporter 2 isarones. Et lorsque tu apporteras un mouton petit, alors ce sera juste un seul isarone, d'accord? Et la Torah me dit, attention, tu t'arrêtes pas là. Ve'isaron solet, à chaque fois je te demande de le mélanger avec de l'huile. Là, la Torah ne nous a pas précisé l'huile, mais la quantité d'huile, ce sera la même que l'oblation de vin. Qui sera Veniskehem, le neser, le nisour, l'oblation donc de vin que tu verseras ensuite dans les chitines, dans le trou qui était en haut du Beth Amikdash, qui collait jusqu'aux fondations du Beth Amikdash, qui avait un tuyau. Alors la Torah me dit, tu devras apporter Niskehem en Issour, en oblation de vin. Chatsi ha'in yelapar, un demi-hin pour un par. Un hin, ça fait 12 logs. Donc lorsque je te dis d'apporter un chatsi hin, ça correspond à 6 logs. Ce qui va m'intéresser, je vous le dis d'avance, c'est le rapport entre la quantité d'huile et la quantité de semoule. Là, je te demanderai pour 6 logs d'apporter 3, pour 3 issaron d'apporter 6 logs. Pour le haïl, la Torah me dit, tu apporteras ou shlishit haïn. Là, la Torah me dit chatsi haïn, un demi-hin. Là, la Torah me dit shlishit haïn. La Torah me dit revi'it haïn. Un tiers de hin, ça fait 6 logs. Un demi-hin, ça fait 6 logs. Un tiers de hin, ça nous fait donc 4 logs. Et un quart de hin, ça fait 3 logs. D'huile ou de vin. C'est la même chose. C'est la même quantité. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, maintenant, pour ma Mishnah, c'est les coefficients. Regardez quelque chose de particulier qui se passe. La Torah, elle me dit, si je le prends à l'envers,
Attends, on a dit 1 Issaron, 2 Issaron, 3 Issaron pour le mouton, le bélier et le taureau. Et par rapport à la quantité d'huile, la Torah m'a dit 3, 4 et 6. Regardez qu'entre là, pour un taureau ou pour un bélier, on a la même proportion d'huile et de semoule. Que pour un Issaron, tu mettras 2 logs d'huile. Donc là, je te demandais d'en apporter 3, ça fera 6 logs. Quand je te demandais d'en apporter 2, ça fera 4. Regardez, c'est 2 fois plus. À la différence de la mincha qu'on va porter avec le mouton, que cette fois-ci, elle sera beaucoup plus grasse. Elle sera beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'huile. Il y aura une demi-fois plus d'huile, puisque là, cette fois-ci, on va tomber avec un rapport que pour un Issaron, tu vas mettre 3 logs. D'accord? C'est ce qui m'intéresse pour un Mishnah. Si vous avez compris ça, eh ben on va tout comprendre très rapidement, Bizant Hachem. Mais Arvin, on va le mettre ici. Non, il va tomber, on va le garder ici. Mais Arvin, Niske Elim, Beniske Iparim. Niske Kvasim, Beniske Kvasim. Alors, la toile me dit, la Mishnah me dit, mais Arvin, tu pourras mélanger, si tu veux, Niske Elim, les oblations des béliers, Beniske Iparim, avec les oblations de taureaux. Étant donné qu'elles ont le même rapport d'huile et de farine, ça ne va pas changer la contexture. Comme ce qu'on va expliquer ensuite. On va revenir un petit peu, on va mieux plus préciser. Pour le moment, on continue à avancer. Donc on a le droit de les mélanger, étant donné que celui-là, cette oblation-là, on a le droit de la manger avec cette oblation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la même contexture lorsqu'elle a bien été pétrie. Elle a la même contexture, donc quand tu vas les manger, tu ne vas pas modifier la texture de ton oblation. Vechen, ou encore, Niske Kvasim, Beniske Kvasim. Si tu as apporté plusieurs sortes de moutons en Korbanot, en l'occurrence, à Rosh Chodesh, tu as demandé d'apporter 7 moutons. Donc tu vas devoir apporter 7 Issaron. Pour chaque Issaron d'oblation de semoule, tu devras apporter dedans 3 logs d'huile. Alors c'est parfait, tu pourras, si tu veux, les mélanger, apparemment. D'accord? Idem encore, Shaliachid Beshel Tzibur. Si tu apportes toi ta Ola personnelle, individuelle, le même jour où il y a aussi une oblation, une Ola publique, à. Peu importe, d'accord, à Cholamoued, tu as apporté, et puis ensuite, donc, le Corban public devait apporter aussi son oblation, toi, à titre individuel, tu dois apporter ton oblation, et bien, si on a mélangé les deux oblations, aussi de nouveau, on les a mélangées ensemble, les deux Ménachot, eh bien, on n'a pas transgressé, on pourra les faire monter sur le misbeh. On pourra les mélanger. Tel que c'est écrit apparemment. Sur ça, on va apporter la grosse modification, mais pour le moment, j'avance dans la Mishnah. Shaliachid, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le Bartenora. Comme ça, le Bartenora, il explique. Shaliachid, Bechel Tzibur. Shel Yom, Bechel Emesh. Ou encore, une oblation d'aujourd'hui avec une oblation d'un korban que tu as fait hier. Il y a quelque chose de particulier avec les oblations, c'est que même si je t'ai demandé d'apporter le korban aujourd'hui, donc tu l'as apporté aujourd'hui, lundi. Et donc tu es limité pour le consommer, si c'est un corban consommable, par exemple, la nuit suivante, éventuellement le lendemain. Eh bien, sache que malgré tout, si tu n'as pas apporté les oblations de vin ou d'huile, tu peux aussi les apporter demain, après-demain, même plus tard. D'accord? Donc de ce fait, la Mishnah m'enseigne que tu pourras aussi, si, puisque je suis en train de te parler des mélanges, que tu as le droit de mélanger la mincha, deux ménachot qui ont la même contexture, tu pourras même les mélanger si on a une qui vient pour un korban que tu as porté aujourd'hui et une autre qui vient pour un korban que tu as porté hier ou il y a une semaine. Donc ça c'est ce qu'a écrit Shel Yom Beshel Emesh. Emesh ça veut dire hier, la veille. Aval par contre, En Mervin Niske Kvasim Ben Niske Parim Ve'elim. Par contre tu ne pourras pas mélanger les Nesachim des Kvasim, des moutons, ça, donc qui a ce rapport là, qui est beaucoup plus huileux, tu ne peux pas le manger avec un Nesser, avec une oblation d'un bélier ou d'un taureau. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tu vas modifier la contexture. Et je continue la Mishnah pour le moment, je ne vous apporte pas la grande précision qui va vous modifier toute la tête, toute la conversation de la Mishnah. Mais en tout cas, Ve'im Belalan, s'il les a. Là, on a, je vous annonce qu'on a repris le cours normal de la Mishnah, ou ce qu'on va dire maintenant, c'est à demi d'après tout le monde. Ve'im belalan, elo bifnatsman, velo bifnatsman, venita arvu, ksherim. Si toutefois, il avait une oblation de mouton, il avait une oblation de bélier, donc on parle de la même contexture, je t'ai dit de ne pas les mélanger. Si toutefois,
Tu les as pétries chacune indépendamment, parfaitement. Tu as fini de faire ta, de la préparer, la mincha. Et idem avec l'autre mincha qui venait pour le bélier. Et puis après, ils se sont mélangés. Et bien, a posteriori, ce sera kasher. Le Barton précise que ça va selon l'avis de Rabbanan, que en olin mevatin zedze. Là, ça va nous toucher, ça va être trop compliqué. Concrètement, il y a une halakha particulière dans les korbanot, que les choses ne s'annulent pas lorsqu'on les mélange. Il y avait une marloquette en réalité sur ça. Et là, on est, selon Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda, que selon Chachamim, même lorsqu'à posteriori ça s'est mélangé, c'est quand même kasher. D'accord ? Maintenant, la Mishnah me précise, Imad shelo balal pasoul. Par contre, si elles se sont mélangées alors qu'ils n'avaient pas encore pétri, c'est-à-dire, j'avais pour le moment mon ustensile avec mon isaron, et j'avais même versé les trois logs d'huile pour faire l'oblation du mouton. Et j'avais un autre ustensile, j'avais un isaron avec, j'avais deux isaron avec quatre logs d'huile. Je les avais versés, mais je n'avais pas encore malaxé, je n'avais pas encore pétri. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout mélangé d'un coup. Là, j'ai invalidé l'oblation. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, la Torah t'a dit de faire la mincha du mouton de la sorte, avec telle contexture. A posteriori, une fois que tu l'as préparé, tu l'as fait comme il se doit, et qu'après ça s'est mélangé, ça s'est perdu dans la masse d'une autre, peu importe, alors il y a une halakha particulière qu'il n'y a pas de bitoul dans ce qui est dans les korbanot. Les choses ne s'annulent pas. Donc même si ça s'est mélangé, c'est encore présent, même si tu ne le vois pas de tes propres yeux. Tandis que là, ça s'est mélangé avant même que tu pétrisses. Donc ce que tu as pétri, pas comme les instructions de la Torah qui t'avait demandé de faire celui-là avec, pour un, il s'arrône trois logs, et pour l'autre, pour deux, quatre. D'accord ? J'hésite. Allez, je vous fais très rapidement la fin de la Mishnah, parce que c'est une petite phrase rapide, après on se concentre sur l'essentiel de la Mishnah. Sur la problématique de la Mishnah. Akeves Abaima Omer, c'est une précision importante. La Torah nous a dit dans la paracha du Omer, dans la paracha de Emor, dans le Sefer de Vaikra, la Torah nous précise le rituel du Korban à Omer, le 16 Nissan. Et la Torah me dit là-bas d'apporter un mouton avec le Omer. Maintenant, ce mouton-là, il faut aussi lui apporter une mincha. Et sa mincha, cette fois-ci, elle a une double dose. Elle fait deux isaron. Regardez, c'est un mouton avec deux isaron. Malgré tout, la quantité d'huile, elle était la même que d'habitude. C'est-à-dire de trois logs pour un mouton. Et là, donc, on va se retrouver avec un nouveau rapport d'huile et d'oblation. Parce qu'on se retrouve avec pour deux, trois. C'est la première fois, en fait, pour un isaron, on va avoir un et demi. Ça va être, quelque part, l'oblation la moins huileuse. C'est pour ceux qui sont en régime. D'accord ? Pour deux isaron, tu vas mettre trois logs d'huile. Ça ne fait un rapport que pour un isaron, ça va faire 1,5, la différence de 1 pour 2. On a fini la Mishnah. Et maintenant, je vous apporte une précision supra-importante. Le but de nos Mishnah, il est bien clair. Il est que, finalement, si je retiens en deux mots, est-ce que j'ai le droit de mélanger deux oblations en même temps, deux oblations de farine, de seboul, comme ça le Barthélemy l'interprète ? Eh bien, la règle, elle est quoi ? Elle est que, oui, si c'est la même contexture, même s'il y en a un d'aujourd'hui, l'autre qui date d'hier, un qui est plus particulier, l'autre qui est public, d'accord ? T'as le droit de mélanger. Mais dès qu'il n'y a plus la même contexture, alors là, on rentre en problème. Malgré tout, a posteriori, on va permettre, si toutefois tu les as d'abord pétris avant de les mélanger, même si la contexture, elle va se changer, malgré tout, ça c'est une halakha spéciale, que les choses ne s'annulent plus quand elles sont kadosh. Et si toutefois, avant de pétrir, avant même que tu pétris chacun de moment, tous ces mangés, là ce sera invalidé. Pourquoi ? Parce que si tu devais les pétrir, elles obtiendront une contexture différente de ce que la Torah t'a interdit. C'est-à-dire, je veux a priori que tu fasses bien l'oblation, que tu la pétrisses avec la contexture que je t'impose, et si après ça se mélange, c'est encore cachère. Mais si a priori tu vas venir pétrir avec d'autres conditions, donc c'est plus ce que je t'ai demandé, c'est devenu invalidé. Voilà pour la Mishnah. Il ressort donc de notre Mishnah que lorsque j'apporte un taureau et un bélier, j'ai le droit apparemment de les mélanger, les deux en même temps, même a priori, puisque a posteriori, on t'a même permis de mélanger le mouton avec le bélier ou le taureau. Donc ça veut dire que la Mishnah te parle, a priori, j'ai le droit de mélanger l'oblation qui vient avec le bélier, avec l'oblation du taureau. Or, c'est faux.
Il est vrai que Rashi a expliqué la Mishnah de la sorte au début, mais parce qu'il y a une grande règle. Le Bartanoï nous apprend, le Tosafot il apprend une grande règle qu'il faut bien connaître. C'est très important. Lorsque Rashi il explique dans la Gemara, vous savez comment se présente la Gemara, il y a la Mishnah, et après la Gemara elle va reprendre les mots de la Mishnah et elle va débattre dessus. Des fois on va rencontrer que Rashi va expliquer la Mishnah de manière fausse, qui ne correspond pas à la conclusion de la Gemara. Pour quelle raison? Parce que Rashi veut nous aider à comprendre la Mishnah telle qu'elle, même faussement, de manière à ce qu'après tu vas pouvoir te poser la question de la Gemara et aboutir finalement à la conclusion de la Gemara. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé dans cette Mishnah. Tout ce qu'on expliquait à l'oral, c'était vrai selon le prime abord de la Mishnah. Mais en réalité, la Gemara pose des questions et que c'est pas vrai. A priori, je n'ai jamais le droit de manger deux menachot, même lorsqu'elles ont la même contexture, même lorsque c'est deux béliers, deux moutons qui viennent sur une même série, je n'ai pas le droit de les mélanger, je n'ai jamais le droit de les mélanger, a priori, parce que a priori, il faut que chaque chose vienne d'un moment. Suite à cela, la Mishnah, la Gemara, elle va couper la Mishnah en deux. C'est-à-dire que la première partie de la Mishnah, on ne parle plus des oblations de blé, on va parler des oblations de vin. Et alors là, ça va devenir très original ce qui se passe. C'est-à-dire, la Mishnah, en fait, elle est venue m'enseigner, elle me dit, tu sais, les oblations de vin, si les oblations de farine ont les mêmes rapports de farine et d'huile, tu pourras mélanger les oblations de vin ensemble. Là, on ne sait pas. Mais si toutefois, elles n'ont pas le même rapport, tu ne pourras pas mélanger les oblations de vin, de peur que, si tu mélanges les oblations de vin, un jour tu vas te mettre à mélanger les oblations d'huile, et tu vas, les oblations de farine et de semoule et d'huile, et tu vas en fait invalider le corban. D'accord? C'est le principe, c'est comme ça qu'il va falloir lire la Mishnah en fait. À cause, donc retenez cette halakha-là, même si les oblations ont la même contexture, a priori il ne faut pas les mélanger. Il faut apporter chacune indépendamment. Suite à cela, la Mishnah elle nous fait des pirouettes. Bon, la Gemara va faire des pirouettes dans la Mishnah pour expliquer ce qu'il y a écrit en fait. On ne parle plus des oblations de semoule, mais on va parler des oblations de vin à cause des oblations de semoule qui ont des rapports différents. D'accord? Je pense qu'on va s'arrêter là, on ne va pas trop pousser le bouchon, sinon ça va devenir lourd et fatigant. Ceux qui ont la force, ben, qu'ils étudient le Tosafot Yom Tov, qui va apporter plus de précision encore sur la Mishnah. Pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sacha Kol Tov.